pas de chance. Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Et ben écoute, moi ça va à merveille. Et ben nous sommes en plein dedans, hein. C'est l'hiver partout, il fait froid terriblement, un froid des canards. Eh ben écoutez, dans cette vidéo, on parlera un tout petit peu hein, de lois qui changent. On parlera de ce qui est nouveau, de ce qui a été nouvellement adopté, du changement grosso modo, hein, de tout ce qui se passe ici en fait. Eh ben, j'aimerais pas vous parler impérativement hein, de ces lois qui ont changé, mais de la réaction plutôt, hein, que doivent nécessairement avoir étudiants, immigrants, soit immigrés, qui vivent déjà ici, hein, des personnes qui vivent déjà ici depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, et que sais-je encore. Eh ben écoutez, il y en a tellement, qui préfèrent prendre leur temps pour s'équiter dans telle ou telle autre tâche, soit par rapport au mariage, soit par rapport, on va dire, au papier d'ici, j'ai envie de dire à l'obtention hein, de papier d'ici, au RVP, au VNG, soit dans n'importe quel, on va dire, hein, domaine que ce soit, et qui préfèrent prendre leur temps pour ne pas, j'ai envie de dire, hein, trop c'est hâté. Et ben, le conseil que je pourrais vous prodiguer est que vous devriez. Vous devriez, pourquoi, comment, parce que en Russie, il y a une évolution rapide, on va dire, hein, de loi. Il y a un changement perpétuel, j'ai envie de dire, de loi. On peut garder à l'esprit telle ou telle autre histoire hein, qui se passe ici, là, pendant 6 mois. Elle est constante, alors que non. Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, les législateurs hein, se font violence et se donnent la peine d'adopter une loi pour rémunérer, j'ai envie de dire, de femmes enceintes. Eh ben, il y a une loi qui protège, on va dire, hein, la femme ici, là. Et elle est terriblement, on va dire, hein, bien sécurisée. Et cette loi ne changera jamais. En fait, ce qui s'est ajouté, on va dire, à cette loi, c'est la prise en charge, on va dire, hein, de la femme et de son bébé pendant sa grossesse. C'est-à-dire la femme doit être payée, on va dire, tout le 9 mois où elle portera l'enfant dans son ventre. Pourquoi ? Parce que la femme n'essaiera pas en même de travailler. La femme sera constamment à la maison. Et c'est ce qui pousse, on va dire, à quelques législateurs à voter, on va dire, cette loi-là. Et bien, ce qui est bénéfique d'ailleurs pour le géniteur, pour, on va dire, le parent. Pourquoi ? Parce que si l'un des parents, c'est-à-dire l'homme, travaille, en ce moment-là, non pas simplement, ils bénéficieront également, j'ai envie de dire, hein, d'un petit quelque chose à la naissance du gosse, puisque c'est comme ça la loi ici. Il y a une aide, on va dire, hein, sociale qui est déversée aux parents une fois l'enfant déjà, on va dire, hein, né. C'est en ce moment-là qu'on pourra débourser quelque chose, hein, pour le parent, pour subvenir à leurs besoins, enfin pour subvenir aux besoins du gosse, en attendant que la maman reprenne ses marques, soit reprenne le boulot, et que le daron ne se dérange pas assez. Voyez-vous, c'est une loi qui est déjà ancrée ici, là. Mais moi, je vous parle simplement du changement constant de loi d'ici. Au fait, le problème qui m'a poussé réellement, on va dire, à réagir à ça, et que depuis un certain moment, je m'étais vu, on va dire, privé de permis de conduire. Depuis un moment. Voyez-vous? Alors, ce que j'ai gardé à l'esprit est que, une fois l'échéance atteinte, je me rendrai tout simplement, on va dire, hein, à la police routière pour récupérer le permis de conduire. Et ben, 6 mois se sont écoulés. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Je m'étais rendu là-bas. Une fois arrivé, qu'est-ce qu'ils me diront? La loi, écoutez, monsieur Vy, la loi a changé il y a de cela 3 mois. Ben, vous ne le saviez pas. On n'a pas également eu la peine. Hein. Nous ne nous sommes pas donné la peine de l'informer à tout le monde. Je me suis dit, mais cette loi a été appliquée? Oui ou non?
Ils m'ont dit, ben écoute, c'est en cours d'examen, mais nous, nous devons l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'on veut donner l'exemple. Eh ben écoutez, j'étais terriblement dégoûté. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je ne pourrais pas me taire, je dois faire une vidéo là-dessus pour réagir. Voyez-vous, tous ceux-là qui vivent ici, là, il ne faudra pas prendre, on va dire, hein, le papier que vous avez pour acquis. Soit la vie que vous avez ici, là, vous la prenez un tout petit peu pareil que la vie que vous auriez eue, j'ai envie de dire, dans votre pays, soit dans un autre pays carrément. Ah non, la Russie, c'est un pays assez compliqué, assez complexe, et dont le loi change constamment, alors constamment en Russie. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Raison pour laquelle tous ceux-là qui ont déjà fini, j'ai envie de dire leurs études ici, là, qui veulent impérativement demeurer ici, travailler ici, vivre ici en Russie, c'est que moi je pourrais vous conseiller, family, c'est impérativement, de prendre la balle au bon, de vous renseigner, d'aller postuler, j'ai envie de dire, hein, pour déposer vos documents, afin d'avoir le permis de séjour. Que ce soit temporaire ou permanent, c'est là, ce sera une fois vous serez sur place, une fois vous allez vous renseigner. Donnez-vous la peine. Moi, personnellement, ce que je conseille à tout le monde est que quand tu as un problème, il faut aller à la source. Va à la source, pose des questions. Je pourrais te renseigner sur tel ou tel autre problème, mais les informations que je pourrais détenir peuvent être un tout petit peu, on va dire, hein, retardées, soit un tout petit peu archaïques aussi. Pourquoi? Parce que je renouvelle, j'ai envie de dire, hein, ma connaissance, de par le changement de loi, de par l'évolution, on va dire, hein, de certaines choses ici, là, après simplement 3 mois. Alors, en 3 mois, tout peut changer, comme ce fut le cas pour l'obtention à Bratna de mon permis de conduire, voyez-vous. Donc, soyez sages, soyez vraiment sages. Tous ceux-là qui veulent également postuler après le mariage pour l'obtention d'un permis de séjour, faites-le. Au jour d'aujourd'hui, quand on se marie et qu'on a un enfant, et de surcroît, on a un permis de séjour temporaire, on peut nécessairement, avec le certificat de naissance de l'enfant, avoir la nationalité. Aussi rapidement, voyez-vous, aussi simplement. D'où il faut à chaque fois, s'informer, et de la plus belle de manière. J'aime bien aller à la source, et faites également pareil. Allez à la source, ayez des informations sûres qui pourront nécessairement vous servir, vous. Parce que vous vivez dans un pays où vous devriez sans cesse vous informer. Je déplore, on va dire, le comportement un peu taciturne de certaines personnes qui se laissent un tout petit peu embarquer dans n'importe quoi. Et après quelques temps, qui sont surprises, on va dire, de... Voilà quoi, d'un changement quelconque. Non, je ne savais pas, non, c'est ci, non, c'est là, non. Raison pour laquelle il faut impérativement, vous renseigner sur un bon nombre de questions. Et surtout quand on n'a pas encore la nationalité d'ici, et surtout quand on ambitionne vivre ici, travailler ici, voilà, avoir une vie stable ici, il faut s'informer. Hein? On ne les dit pas assez, mais quand on ne s'occupe pas de la loi, soit du droit, eh ben écoutez, c'est que simple que le droit et les lois vont s'occuper de vous. Sur cette note, je vous laisse. Moi, c'est Vima. Portez-vous bien. Ciao.